Oui, allô? Quoi? Les Français ont encore voté comme des cons? Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Underground News présente Ben et Sam. Votez Asselineau! C'est second tour, là. Il est plus en lice. Votez Asselineau! Mais puisque je vous dis que c'est trop tard... Je m'en fous! Votez Asselineau quand même! Infirmière, il a besoin de sa piqûre. Mais bonjour. Aïe! Ah, il a mal vécu les résultats du premier tour. D'ailleurs, faites-moi une piqûre aussi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va vous en apprendre un peu plus sur Emmanuel Macron. Macron! Fils de... Aïe! Vous avez trouvé étrange que tous les médias fassent la promo de Macron. Eh bien, nous aussi. Ouais, on va rétablir un peu de vérité dans tout ce bordel. Pour commencer, c'est un ancien employé de la banque Rothschild. Ça commence bien. Et il est resté en contact avec les banques. C'est même elles qui ont payé sa campagne. Ah ouais. Ouais. Vous êtes pas au courant du dîner qui a eu lieu en septembre 2016? Étaient présents les Rothschild et des banquiers d'affaires parisiens. Et ils ont participé à une collecte de fonds. Ah, quelle bande donc. Vous vous dites, ok, il bosse pour les banques d'affaires. Mais peut-être qu'il a fait des trucs cool durant son passage au gouvernement Hollande. Bah, outre la loi travail, le mec, il a pondu le CICE. Et c'est quoi ce truc? Bah, en gros, l'État donne 40 milliards d'euros par an aux entreprises pour qu'elles embauchent. Sauf qu'elles ont aucune obligation, c'est basé sur leur bonne volonté. Et ça a marché, ce bordel? Bah non, ça a pas marché du tout, elles ont embauché que dalle! Plus 830 000 chômeurs pendant le mandat de Hollande. Donc Macron, il prend le fric, puis le donne à ses amis, les grands patrons. Les mecs, ils sont même pas basés en France, hein! Comment vous voulez qu'ils embauchent en France, hein? Réagissez, bordel! Vous êtes fait arnaquer, putain! Aïe! Finalement, Macron ne fait que rendre service à ses amis banquiers et aux grands patrons. C'est vrai qu'avec son conseiller, ils ont mis en place le remboursement des médicaments contre l'hypertension. Conseiller qui travaillait discretos pour les laboratoires Servier. Les laboratoires Servier qui fabriquent des médicaments contre l'hypertension. Ah, quel hasard. Et c'est comme avec Patrick Drahi, son ami là. Montebourg, il voulait empêcher Drahi de racheter SFR. Parce que Drahi, il vit en Suisse et sa holding, elle est basée au Luxembourg. Donc normalement, c'est impossible. Et là, Montebourg se fait virer du gouvernement. Macron arrive, direct, il autorise Drahi à racheter SFR. Boum! 5000 licenciements, c'est beau, c'est propre. Conclusion, c'est les grands patrons qui choisissent qui sera le prochain ministre. Macron, c'est juste leur communicant, quoi. Ouais. Il veut nous niquer la gueule! Infirmière! Il faut l'empêcher de passer! Aïe! Mépris de la France et de son peuple. Destruction des acquis sociaux. Arnaque et conflit d'intérêts. Voilà qui résume bien Emmanuel Macron. Il faut arrêter de voter. Il faut arrêter de valider cette parodie de démocratie. Un communiqué de Ben et Sav. Salut, c'est Antoine Savinkov. Mes amis me disent toujours, Antoine, tu vas pas voter blanc, c'est raciste. J'ai cherché et j'ai trouvé la solution. C'est le vote de couleur. Avec le vote de couleur, vous choisissez la couleur de votre bulletin. Noir, blanc, ou même orange. Et y a pas de jaune? Ah non, chez nous, on n'aime pas le jaune. On a aussi pensé à des bulletins multicolores pour les LGBT. Ouais, mais comme on n'aime pas les PD... C'était un communiqué de Ben et Sav. Aïe! La leçon qu'on peut tirer d'aujourd'hui est simple. Macron n'est qu'un corrompu. Que nous, on est intègres. On est libre de dire et de penser ce qu'on veut. Allô? C'est un honneur, mon général. Par contre, est-ce que vous pourriez arrêter de hurler, s'il vous plaît? Non? D'accord. Ah ouais, c'est une sacrée somme quand même. À vos ordres. Notre consigne de vote a changé. Votez Macron, c'est super. Alors, quelques rappels sur le programme de Emmanuel Macron. Déjà, le mec, il prévoit de supprimer les jours fériés chrétiens. Super. Ensuite, les propriétaires vont devoir payer un loyer. Donc, au revoir la classe moyenne. Et enfin, il prévoit une aggravation de la loi travail. Donc, ça va être le retour de l'esclavage. Et vous votez quoi, finalement? Moi? Ah bah, je vais faire barrage au fascisme.
Si je vous dis que le fascisme, c'est la collusion entre la bourgeoisie d'affaires et le pouvoir politique, vous êtes d'accord? Ouais. Donc le fascisme, c'est Macron plus Patrick Drahi. Voilà. Et vous, vous avez voté quoi? Ah, j'ai le choix cette fois. Ah ben non, vous êtes sous mes ordres, votez comme moi. Chers amis, un cocktail dilatoire de levée de fonds est organisé pour Emmanuel Macron le 27 septembre à 20h à la Terrasse Martini, 50 avenue des Champs-Élysées. À cette occasion, Emmanuel vous fera part de sa vision et de ses propositions. Pour des raisons de confidentialité, nous vous demandons une très grande discrétion autour de cet événement.